Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume. On se retrouve pour l'épisode 8 de Satisfactory. Merci de nous suivre sur cette série, une petite série où on se prend pas la tête et où on s'amuse bien entre amis. En parlant d'amis, je suis en compagnie de David, pour une fois. Bonjour. Et de Alexis, fidèle compagnon. Bonjour. Fidèle compagnon de la série. qui raterait pour cette série pour rien au monde, je crois. Ouais. Jusqu'en couper un live, t'imagines? Jusqu'en couper un live. Donc, dans cet épisode, on a pas mal de choses encore à faire. Là, on va commencer un petit peu l'extraction du charbon pour essayer de progresser encore, pour essayer de développer. Alors, pour l'instant, on est toujours sur les débuts de la série. Hein. Je pense qu'on a bien au moins une bonne vingtaine d'épisodes avant d'attaquer les gros bâtiments, on va dire. Les grosses usines, peut-être pas, mais ouais, si, peut-être pas loin. De toute façon, tant qu'on n'a pas débloqué les trains, à mon avis, on va pas attaquer les usines spécialisées. Voilà. Si tu découvres la chaîne, eh ben, bienvenue à toi. On fait du Satisfactory, on fait plein de jeux, tout ça, tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche si tu veux être notifié des sorties des vidéos. Et puis bah liker, hein, ça je vous invite tous à liker, c'est notre essence à nous pour continuer à faire des séries. Et puis bah voilà, déjà pas mal. On est parti nous ouais. On démarre, t'es prêt David ouais. À subir notre folie furieuse? Écoute, c'est déjà la folie furieuse comme ça, alors un peu plus, un peu moins. Hein. Eh ben allez, let's go, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque là-dedans? Donc, hop là. Donc, il manque. Je dois avoir les lingots. Attends, je sais pas ce qu'il me reste dans mes poches. Donc, bronze et je sais plus quoi. Bronze, bah j'en ai 5. Ça, j'en ai 1. Bronze, il y en a en fabrication normalement. Oui, il y en a plein en fabrication, je suis en train d'aller les chercher. Et puis, c'est les autres qui sont en fabrication. Je sais pas si j'en ai en stock par contre là. Si, il y en a en stock. Et quel? Les lignes. Les lindes. Mais de là en avoir 500, j'en ai 400. Non, David, pique pas sur le tapis. Il pique pas sur le tapis, David, hein. Ça c'est pour une ligne d'usine ici, hein. Le bronze. Bah ouais. Si, tu peux les prendre sur le tapis, de toute façon pour l'instant. Non, c'est bon, j'ai les lignes, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Normalement. C'est le bronze qui va manquer. Ouais, le bronze, je suis en train de le ramasser. Tac. Hop, ça c'est bon. Je me chamaille avec par contre, le bronze, il y en manque 500, donc. On est déjà 221. Et puis ça, on peut pas les faire. On peut pas les faire, ça. Il y a que les fonderies. Là, hop. Ah. Il manque pas grand chose. 200, quoi. Un peu moins, 150. Attends, faut aller voir à l'autre bout dans l'usine. S'il y en a pas en stock. Ah bah non, elle a dû. Elle est dévalisée. Elle a dû dévaliser, ouais. Sachant que là, il faut que je ramène du. du Time God, c'est bon. Ça, j'en ai. Hop. Faut que je le remette là. Trier. Le teint ingot, j'en avais sur moi. Ah, là. Hop. Tac. De toute façon, après, je pense qu'on fera des usines de fonderie. Enfin, on fera une fonderie où on fera tous les lingots possibles qu'on peut faire. Hein ? Ouais. Je pense qu'on fera ça. Histoire de vraiment pouvoir faire tous les lingots. Comme ça, on envoie tout là-bas dedans. On triera sur place à ce qu'il faut.
Comme ça, on fera peut-être un mini bus bar dedans. Je pense qu'on fera des bus bars dans les. Faudra qu'on regarde un peu comment on peut faire. Donc là, on développe le jalon. C'est le jalon Metal Casting qui va nous permettre de faire le. tous les lingots. Qui nous permet de refaire des lingots de bronze. Mais avec le solidifier en couleur. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, ça. Ça, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais à mon avis, il doit falloir de l'eau. Et peut-être des minerais. Je sais pas. On va voir quand ça sera produit. Au niveau du broyeur, là-bas au fond. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça ressemble à pas grand-chose. Mais quand on va commencer à faire les gros bâtiments... hop, le broyeur, on a 4 tickets. Allez, je les imprime. Tac. Ah, prise. Les sauvegardes qui commencent à devenir un peu agressives. Méthode. J'avais pas mis un stockage là à côté du... Du mag là. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire un petit panier là, oui. Hop. Tac. Tiens, David. Oui. Tu viendras voir le... La WSOM pour voir si tu vois tout dedans, toi. Mmh. Allez, ça. Il est où? Là où je suis. Et hop, c'est fini. Ah, j'ai fait quoi? J'ai raté la marche. Putain, mais j'ai du mal à trouver des trucs dans mon inventaire, moi. Là. En équipement, je vois qu'une tasse à café. Ouais, mais et dans le reste, tu vois pas les gestions, fondation, mur. Pédale. D'accord, bon, bah y'a que moi qui vois alors. Bon, bon, bah, faut, y'a que moi qui vois. Les hein. Y'a que moi qui pourra débloquer la WSM. Donc là. Comment on peut faire ça? Alors, ça nous sert à quoi? Et est-ce qu'on peut le crafter? Qu'est-ce qui manque pour le crafter? Sol trop incliné. Ah putain, il faut du. Ah, il faut du fil actif. Non. Il faut quoi pour le crafter? Non, je peux le crafter. Alors, attends, je vais le poser. On va déjà regarder comment ça fonctionne, ce bait. Parce que ça... Lingot d'acier. Mais lingot d'acier, il faut du molen steel et de l'eau. Mais le molen steel, tu le récupères où? Alors voilà. Alors, le molen steel, open wiki. Pour avoir du molen steel, il te faut du molette iron, mm-hmm. du charbon et mm-hmm. de l'air. Mm-hmm. Donc pour avoir du molette iron, open wiki, il te faut du crochet iron. Mais ça te sort où ça? Molette iron. Molette slag. Putain. C'est compliqué. Ça, c'est pas dans les foreuses avec les têtes qu'on mettait à côté. Voilà. Parce qu'on a un truc smelter module là. Eh ben si... Ah non, ça sort du Molten Slag. Ouais. Et le Molten Slag, tu peux le transformer en... En quoi? Ben j'en sais rien du tout, en fait. Fluide conditionneur, non c'est pas ça, c'est le fluide conditionneur, c'est pour faire les... Ça c'est pour faire quoi ça? Flexible, blast, furmas. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ok, bon.
Donc là, si tu mets du Crushed Iron, ça te fait du Molten Iron et du Molten Slag. Là, on part sur les fluides, là, maintenant. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et le Molten Iron, tu rentres dans cette machine-là. Ah, en bas. Qui te fait des lingots d'acier, Molten Steel, mais par contre, il te faut de l'eau. Et ça te fait de la vapeur, cette merde. C'est pas compliqué, leur bordel. Pris en version méga modèle truc. Hein? On l'a pris en version méga modèle truc. Hein? Parce que c'est ça que c'est bon? C'est qui a planté? C'est Alexis, non? Je crois. Bon. Bah, Alexis a quitté la partie. Bon, bah, l'ascenseur, en fait, il fait planter maintenant. Le quoi? L'ascenseur, il fait planter dès que je m'en sers. L'ascenseur? Ah? Ouais. Ouais, bah faut pas t'en servir, puis on verra. Mais ça se trouve, il y a peut-être des choses là qu'il faudra peut-être qu'on recrafte, qu'on décrafte et qu'on recrafte, je pense. Bon, alors ça, du coup, il faut qu'on y mette pas loin d'une foreuse. Le crochet d'iron, on le fait avec quoi déjà? Crochet d'iron, c'est avec celle-là, je crois. Pourquoi il me sort du métal là? Il m'a sorti du métal, cet enfoiré. Donc, il a un peu pété les plombs. Là. Non, c'est du Crushed Statyr qu'on sort là-dedans. Ah, putain, à tous les coups, le Crushed... Attends. Le Crushed Iron. On le fait avec quoi? Le Crushed Iron. On le fait avec le Crushed Styratite. Donc le Crushed Styratite. Oh putain. Là c'est casse-tête là. Là faut essayer de comprendre. Faut essayer de comprendre. Donc à mon avis ça doit être avec le Sorterer que tu dois faire ça. Ça doit être avec celui-là que tu dois le faire, je crois. Si je dis pas de conneries. Pure storage item. Storage styratite. Bah là, je sèche là. Crushed Iron. Crochet Styratite et de l'eau. Bon. Ouais. Joker. Ouais. Bah faut qu'on ramène de l'eau par là. Je sais pas où. Faut qu'on récupère du Crochet Styratite. Donc je sais pas où non plus. Dans quelle machine on peut en récupérer facilement? Ben là, dans celle-là. De toute façon, je pense que là, on peut limite récupérer une sortie. Parce que là, on est full. Et là, on est full. Donc là, limite, limite, il faudrait qu'on mette un... Putain, mais... Oui, non, ben oui. Oui, ça devient une usine à gaz, oui, comme tu dis. Comme tu dis. Non, mais là, de toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à gérer différemment. Déjà, hop. On va se faire une plateforme par là, je crois. Hein. Hop. Tac. Donc on va regarder déjà les machines qu'il nous faut. Puis après on avisera pour...
Ça, c'est pas bizarre que j'ai autant de matériaux, moi, pour essayer, arriver à faire une plateforme comme ça, moi. C'est étrange. Donc là, il va nous falloir... Il va nous falloir une brouette comme ça. Il va nous falloir une brouette comme ça. Alexis ? Oui ? Tu te débrouilles pour nous ramener à la flotte ? David, mission oui. pour toi, essaie de nous débloquer les larves. Ça serait pas mal. Bah oui, bien un disque dur pour le moment dans le MAM, je peux rien faire. Ah ! Bah je crois qu'il est fini, non ? Non. Non. J'ai fait une boulette. Donc du molten iron. Donc là, il nous faut du crochet d'iron. Pour faire le crochet d'iron... Oh, 3 minutes. Ah ! Putain, qu'on sauvegarde. Pour faire notre crochet d'iron, il nous faut... Overslug, voilà. Sorterer. Il nous faut le sorterer. Je place et puis après on verra comment on se débrouille. Ouais. Je vais placer et puis on verra comment on relie après tout ça. Hop. Là, donc là on a dit c'est du crochet d'iron qu'il faut. Là, hop. Crochet d'iron. Il faut qu'on rende du crochet de statir et de l'eau. Et là, il nous faut que du crochet d'iron. Ok. D'accord. Donc là, on n'est pas si mal. Donc techniquement, ça, si j'y avance là... Non, on va laisser comme ça pour l'instant. Et après, derrière, il faut placer la brouette là. Le solidifier couleur. Tac. Qui, lui, nous produira des lingots d'acier. Et qui refaut de l'eau... Et du molten molten steel. Faut ah non, quantité, non putain, j'ai pas fait le bon truc. C'est le molten steel qu'il nous faut. Ah là, molten steel, pardon. Oh, et molten steel, il nous faut de l'air, du molten iron et du charbon. Alors le molten iron, il est là-dedans, je crois. Ouais, ça c'est bon. Non. Putain, du molten iron! C'est quoi avec quoi? Le molten iron? Ah, c'est avec l'acier. Il faut du crushed iron. Et le crushed iron. Production de vis par hasard quelque part. Tout au bout, tout au fond là-bas, il y en a de la vis. Ouais. Vers le broyeur. Ok. Molten Iron, il le faut là. Ouais, le Molten Iron. Donc là, il nous faut. Alors, celle-là, elle dégage, on n'a pas besoin. Là, il nous faut celle-là. J'emmène où, au fait là où je suis, là, sur la plateforme en bas, là. Je sais pas du tout exactement. Molten Iron. Non, donc là, il nous faut du crochet d'iron. Donc le crochet d'iron. Le crochet d'iron. C'est là où on va rigoler. C'est que tu le fais avec quoi le crochet d'iron? Avec le sorterer. Hop là. Alors, il nous faut un sorterer. Il nous faut un sorterer. Ah, il me faut encore 100 de quoi. Crochet d'iron. Non. Putain, attends, je suis perdu moi là. Molten iron, ça sort du molten steel. Putain, il va falloir du charbon aussi. Le charbon, il y aura le cuir à la main pour l'instant. Il va nous falloir une tour à air aussi, bien sûr. Hein ? Voilà. Ouais. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Le disque dur avec le disque, ça perd à faire. Ouais, j'y vais tout de suite.
Ouais, parce que je vais chercher ce qu'il faut pour faire les slugs. Pour overclocker tout ça. Ah, bah justement, là. Ouais. Ah, bah, Tinted Iron. Ouais, allez, on va prendre celui-là, tiens. Hop. Confirmé. Tac. Et Power Slug, okay. Il te faut. Alors, ça, après, derrière ça, il va falloir y ramener là-dedans. C'est quelle machine qu'il follow ? C'est... Bonne question. Ça, c'est de l'air. Tu caches ce tuyau-là, sinon. Ouais, ouais, laisse-le par là pour l'instant, parce que faut que je regarde. bah, il y a faux deux, de façon, de flotte. Là, j'en mets une, ok. Bah non, ça c'est bon, pas la quantité qu'il faut en eau. Hein. Je sais pas du tout. Je vais te dire ça tout de suite. Total. Je vais te dire ça tout de suite. Il faut 10 mètres cubes minute. Et il faut... 0,5 mètres cubes... ouais. 10 par minute, ouais. C'est bon. Une seule, c'est bon. Ah, c'est 100 par minute, pardon. 100 et... ouais, 110. C'est 110. 110, il faut. Donc on est bon. Ouais, mais il en faut une deuxième, du coup. Pourquoi ? Vu que je suis à 60 par minute pour une. T'as 60... Ah ! Alors, attends. Hop, ça, déjà. Tac, on va faire relier ça. Là. Donc là, j'ai l'air... Le Molten Iron. Le Molten Iron, il va sortir de là-dedans. Le Molten Iron... une deuxième pompe. Je sais pas dans quel côté il sort. Ça, c'est chiant, par contre, quand t'as deux sorties comme ça, tu peux pas lui configurer les sorties... Crushed Iron. Donc, le Crushed Iron... Tu seras envoyé sur un seul et même tuyau. Le Crushed Iron. Donc là, il faut que je lui mette... Non, logistique. Il faut que je lui mette un groupeur. Groupeur de convoyeur. Tac, tac, tac. On va le mettre là. Pouf. Ça. 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 Là. Là, on va mettre un stockage. On va se mettre un stockage. Alors oui, là, c'est vraiment du... C'est vraiment du fait à la... pas à la marmoleneux, mais presque. Je sais pas si je peux le mettre là. Tac, tac, tac. Là, hop. Au pire, on va le faire venir là. Tac, voilà. Comme ça, ça devrait être pas si mal. Oui, c'est pas bien droit, mais c'est pas grave. Ça, on est pas mal. Là, là-dedans. Donc, il faut ramener l'eau. Alexis ? Ah bah. Genre, il est juste tout, comme il faut les pompes, et on est bon. Faut ramener dans le sorteur. Là, faut que je mette un réservoir de machin, moi, là-dedans. Mais je sais pas si on en a... Si. Réservoir. Hop. Ah bah, de toute façon, je vais en mettre un de chaque côté. Y a pas d'entrée-sortie, là-dedans ? Non. Ok, d'accord. Putain, ça va être une usine à gaz, hein, ce que je suis en train de faire. Hein. Ah, je passe pas. Ça va vraiment être une usine à gaz. Là, tac, tac, tac. Donc là, il faudra que je ramène du... Styratite. Ok. Oui, quoi ? Normalement, t'as 120 minutes qui arrive dans le tuyau. D'accord. Là-dedans, qu'est-ce qui sort ? Du molten et du slag. Putain, mais du slag... Oh. Alors du coup, c'est lesquels ? Je pose... Ah, je l'ai fait arriver... Là, c'est le sorteur. C'est le... Celle qui est là où je suis, là. Il faut de l'eau. Il est où ? Là. Celle-là, il faut de l'eau. Ouais. Et c'est... Celle qui est de l'autre côté, il faudra de l'eau aussi. t'avais relancé un MAM Ah non, c'est... Ouais, 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 ouais.
T'as relancé un disque dur, non? Non, non, j'ai relancé la production pour les slugs. Celle-là et celle-là. Hein. Celle-là et celle-là, oui. Celle-là et celle-là, il faut de la flotte. Okay. Par contre, je sais pas où tu l'as fait rentrer, je sais pas où... Je pense que c'est là. Oh, là, de toute façon, il va falloir... non, lui, c'est que de l'eau et du une molten steel. Ouais, ça c'est vraiment, voilà, là c'est histoire de voir comment ça fonctionne, et après on fera quelque chose de propre. Ça, c'est pour l'air, ça c'est bon. L'eau ici, elle arrivera... Au milieu, elle arrive au milieu là. Là par contre, sachez où elle rentre, au milieu. Derrière, de l'autre côté. De l'autre côté, Alexis. Là. Oh. T'es où? Là. Ça rentre là pour la flotte. Ok. Et ouais, moi, faut juste me laisser un truc là. Je vais faire un stockage là. Ah, putain de sauvegarde. Je trouve qu'elles sont bien fréquentes les sauvegardes là, ce soir. Oula. Tac. Ah merde, je t'ai pas mis là où il fallait. Hop. Je vais le foutre par là. Le stockage. Tac. C'est un peu proche, mais... Allez, oh purée, c'est chiant, ça. Stuc. Là, au pire, tu mets un T là, au pire. Là où je suis, là. Puis tu repars... Ah, putain, ouais, mais on est bloqué. On s'en est bloqué. Non, mais je suis bloqué entre les tuyaux. Hop là, mais c'est bon. On slide en dessous et ça part. Ouais, t'aurais pu le faire partir en biais, ton T, là. Ah ben, un 45. Ça passe au-dessus des tapis. Mais ouais, 45 comme ça, là. Comme ça, là. Ça. Donc là, normalement, lui avec l'eau et le crochet de styratite. Donc faut que je vois, mais ça se trouve, on l'alimentera peut-être en manuel pour l'instant. D'ailleurs, j'en ai pas sur moi du crochet de styratite. Si, j'en ai sur moi. Tac. Déjà. Hop. Moi, ça me fera du bien dans les poches. Donc là, ouais, lui... moi je le mets là, mais... On va être bon. De quoi? Il se mettre là. J'étais en train de me mettre pile devant une entrée de la machine, alors... Ah, bah celle-là, elle sert à rien, parce que... Je rentre que du crochet d'iron, là. Ok, bon, tant pis. Ouais, je passe là. Là, c'est de l'électricité qu'il va falloir commencer à faire. Pouf. On va faire là. Là. Alors, y a rien de... Hein, y a rien de... Ah. Y a rien de joli dans ce qu'on est en train de faire. Mais... C'est pour que ça soit fonctionnel. On n'a pas besoin que ce soit joli. Donc, l'air fonctionne. Déjà, c'est pas mal. Hop. Ça... Il manque plus que l'eau... Et ça fera le crochet d'iron. On est pas mal aussi. On part à la chasse. Et là... Et l'eau arrive. Effectivement, elle arrive. Donc là, normalement, il va commencer à me produire du crochet d'iron. Normalement. Quand il va être plein... Ça commence pas maintenant, mais... Oui, non, mais... Ah, on peut mettre les limaces, ça y est. Ah, le truc des limaces, cool. Ah oui, ça y est. Oh ouais, j'ai débloqué, mais... on n'a pas fini de pleurer pour les limaces. Parce que... Bah, il faut leur fabriquer tout un sanctuaire... Ah oui. Et faire d'être, machin... Oui, ben... Donc là, ça me produit bien du crochet d'iron. Le crochet d'iron,
Donc ça me produit bien du Molten Steel. Le Molten Steel qui va se retrouver... Le Molten Iron qui sera là. Le Molten Slag, par contre, je sais pas du tout ce qu'on va en faire. Pire que le bourreau, en attendant. Bah non. Bah c'est de la... c'est un liquide, ouais. Ah. Pour l'instant, je vais le stocker et on verra ce qu'on en fait parce que je crois que lui m'en reproduit encore, Molten Slag. Et je sais pas ce qu'on peut, ce qu'on en fait derrière. Mais je pense qu'on doit en faire quelque chose parce que. Là, faudrait aller chercher du charbon. J'en ai pas sur moi, non, du charbon, non. Donc l'air, on est bon. Le Molten Iron. Ah, ok. De quoi? Le Golden Slag, ensuite tu dois le mettre dans un fluide conditionneur. Oui. Va te sortir du carbone, du dioxyde de carbone, du Cold Slag, donc un minerai, et du soufre. D'accord. Et après, le dioxyde de carbone, ça part normal dans la nature. Et les deux autres dans le broyeur. Par contre, là, faut encore qu'on fasse un truc pour la vapeur, là. Parce que lui, il nous produit de la vapeur, le solidifieur. Lui. Mais je sais pas, la vapeur, on la dégage comment? C'est quoi? C'est du steam. Steam, ouais. Maintenant, c'est lequel des deux qu'il faut mettre? Je sais plus. Bah, le steam cooling. Steam cooling, ouais. Que steam cooling tower. J'ai ça. Ouais. On va le mettre là. Ah bah. Oh mais... Là ouais c'est hard de chez hard. Par contre là faut que je regarde encore dans quel sens ça sort le bon truc. Je dirais que ça sort là. Ouais, hop. Ça transporte quoi là? Ah bah rien parce qu'on n'a pas le charbon. Il faut que j'aille chercher du charbon. Ah oui mais c'est pas près de... Hein? Je voulais voir si c'était bon mais du coup il faut que j'attende... Bah non, il faut que j'aille chercher du charbon. Okay. J'ai une petite fourreuse moi avec moi ou pas? Ah bah non. J'en ai un peu sur moi en fait. T'as du charbon sur toi? Non j'en ai pas justement. Vivement qu'on ait les trains, les machins comme ça. Là. Le 145 de charbon sur moi, j'en ai trouvé. Ah bah, magnifique. Je reviens. De toute façon, je vais en chercher là, moi. Je vais aller en miner un petit peu. Je mettrai où est-ce qu'il en aura besoin. Bah, c'est dans le. Ouais, c'est mangé. Je vois c'est laquelle. Ah oh, putain, mais il est loin le charbon par là. Je crois qu'il était juste à côté. Ah, par contre, il y a une limace, je vais la récupérer. Ouais, je veux bien. Ah, non, je vais pas la récupérer. Pourquoi? Donc, bah non, mais de toute façon, je suis con, je suis en invincible. Molten Iron, bah reprends ça. Je vais reposer le tuyau, c'est peut-être bugué. Ah, c'est une bleue par contre. Hein. Pas grave, prends. T'en fous des couleurs. Alors, on va lui mettre une pompe. Au secours. C'est pour ça que ça ne veut pas monter. Au secours. Là, faudrait voir pour attaquer le jalon, là, ce qui nous manque, là. Le béton et puis les fils. Ouais. Ils sont par là, normalement, les charbons. Il est où, David? Ils sont là-bas. J'arrive. Ok. Jamais dans un coffre au niveau des établis. Je te vois. Par contre, j'ai oublié de prendre une foreuse. Il y a un coffre. Il y en a dans le hub. Des foreuses? Ouais, bah, ouais. Je suis à l'autre bout de la planète là. David? Oui. Comme au chef, les foreuses qu'il y a dans le hub, s'il te plaît. Mais merde, il est où le charbon là? Ok, bordel. Ça produit. Ah, bah, juste à côté.
Ça va Oh là-dedans. putain! Excusez-nous, il a été où pour faire le charbon? Tout à. Ah ouais, mais je vais me baser sur ton pseudo. C'est pas la sortie là, c'est l'autre. Bon, après, tu me diras, je peux me faire un petit atelier. Je dois pouvoir peut-être faire ce qu'il faut, mais. C'est où? C'est où, ça c'est bon. Établi. Hop. Du coup, ça c'est pas bon. Je peux pas m'en crafter une là? On est bon. Ah merde, c'est pas là-dedans, couillon. C'est pas l'établi qu'il C'est faut. tout bon, chef. C'est l'atelier. Hop. Ils sont les trucs pour stocker les liquides et tout. Elles sont tout petits. Ouais, c'est bon, pas besoin, David. Hein. Ah, bah, trop tard, j'arrive. Je vais lui en mettre. On va mettre de la. Pour ça, en attendant. Ah, il me reste plus au loin, je vais la chercher. On va se saper. Ils sont où? Il est où? Ah, oui, on s'est mis en invincible parce que ça casse. C'est dommage qu'on puisse pas se mettre en peaceful. C'est dommage qu'on puisse pas se mettre en peaceful. Et du coup, je vais mettre ça. Ah c'est bon, hein, je peux. On peut pas en mettre plus? C'est bon, je devrais revenir avec un petit peu de charbon. Puis si David vient aussi. Moi. Je viens. Si David veut me rejoindre, là je pense que. On va revenir avec petit stock. J'arrive. Je suis un petit crochet. Une masse bleue au passage. Mais là, je pense que la prochaine vidéo, faudra qu'on s'occupe du forage de charbon. Ouais. Hop. Béton, il y en a en bas. Oh oui, il y en a en bas du béton. Remplis-toi les poches. Pas de fil électrique. Oh. Hein? On produit pas de fil électrique. Ah non. Ah. Non, faut le faire à la main, le fil électrique. On produit pas encore ça. On va attendre qu'elle sorte tout à 100 et puis on va récupérer. Hein. Sachant qu'elle monte à plus de 100, je crois. Hein. Elle monte à 200. Ouais. Ah bah on récupère à 200, c'est pas grave. Hop, on ça. Les poches. Ça, on démonte. Bah j'en ai déjà sur moi 2, 4, 6, 6, 7, 700, 700 lingots. Prépare un stockage pour les lingots, Alexis. Ok. Avec un tapis pour rentrer dans la machine. Parce que à mon avis avec David on va revenir les poches bien pleines. M'étonne. Mais bon, comme il va nous en falloir. Par contre, après, l'avantage, c'est qu'on pourra faire des poutres d'acier.
Et là, on va pouvoir se faire des tapis plus facilement. Et par la suite, on essaiera d'automatiser un peu le charbon. De toute façon, il va falloir qu'on s'occupe du charbon parce qu'après notre centrale électrique qui pour l'instant fonctionne avec du biocarburant. D'ailleurs, il faudra peut-être aller voir les stocks de biocarburant qu'il y a dedans. Fonctionnera au charbon. Oui. Donc là, il va falloir qu'on avise pour le charbon. De 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Putain, mais ça va vite ces merdes là. Ça se voit que c'est des. Ah putain, sauvegarde. Ça se voit que c'est des gisements purs. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15. Ouais, moi j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai 2400. Ouais, déjà pas mal pour commencer. De toute façon, on reviendra en chercher. Vas-y, déjà avec ce que t'as, Guigui, je vais attendre qu'elle sorte pleine des deux côtés, puis je reviendrai avec ce que j'ai. Ouais, au pire, ouais. Au pire. Bah, ça te permet d'avancer. Bah ça permet de... Ouais. Faut qu'on regarde aussi pour se faire le jetpack. Mais le jetpack, je sais pas s'il faut pas le pétrole normalement. Après pour le faire fonctionner. Si, il en faut. Il en faut, il me semble. Ah mais tu es les bébés qui ramassent pas les carapaces, le chef, j'en ai besoin moi. Bah ramasse. Mais c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Ouais, après on va se faire vraiment des usines dédiées à chaque étape, je pense. Hop là, charbonnute. Hop. Donc ça fonctionne tout ça. Ah mais attends, ah oui non, le Metal Slug, t'as mis un... Non ? Putain, je suis perdu. Ah oui, non, t'as mis des stockages, d'accord, ouais, pour le Metal Slug. Bon, tu sais, la pompe au milieu, elle n'a pas besoin de l'être, hein. Si, ça n'allait pas dedans. Ah bon? Ouais. Ah mais c'est le Molten Iron putain qui a du mal. Pourquoi il a du mal? Parce qu'il a pas de crochet d'iron. Ah putain oui. Faut qu'on lui mette du styratite à lui. Hop, allez. Crochet de styratite. On va le mettre en manuel pour l'instant. Je tire à titre, tout prendre, toc. Hop là, c'est vrai que pour l'instant, ouais, on fait un peu en mode manuel. Oui, on va pas avec ça, on va mettre du farbon. Là, à mon avis, le stockage va être plein quand tu vas. Là, bon. Oh putain, déjà 200 dans lingots d'acier. C'est bien ça.
Combien? 200, enfin 199. Ok. Allez, par contre, du coup, il nous en faut 750. Par contre, total. Du coup... Ah bah ouais. Hop là, je peux faire les poutres d'acier, là, c'est bon. C'est parti. Ouais. Ouais, c'est différent de, du Satisfactory de base. Où le Satisfactory de base, il te faut juste de l'acier et... Enfin, de l'acier, du fer et du charbon. Enfin, des lingots de fer et du charbon pour faire la... Les... De l'acier. Mais toi, moi, je préfère largement comme ça, tu vois. À ça. Et après, ouais, je fais le fil électrique et les câbles. Putain, mais c'est que ça produit pas mal, lingot d'acier, dit. C'est que ça produit pas mal. Ah, bien sûr, ça les sort de l'autre côté. Ah, oh, putain, je crois que je me plante de boutons. Alors, c'est le charbon, ça? Oui, c'est le charbon. J'ai rempli le stockage complet. Pourquoi il m'en reste encore plein sur moi? C'est normal. Vache, la gueule de... La gueule du bordel. Alors, faut pas juger, les amis, hein. Un bordel organisé. Putain, mais c'est que ça produit vachement vite, le charbon. Par contre, là, ouais... Je pensais pas que ça produire aussi de grosses quantités comme ça. Bah écoute, tant mieux d'un côté. Bah, le problème, c'est le Metal Slug, le Molten Slug. Faudra venir de temps en temps vider les réservoirs en attendant pour que ça continue à produire. C'est pour ça que j'ai mis deux réservoirs, comme ça on a un peu plus de temps. Ah. Ah, il me faut du blé. Non, mais c'est pas vrai. Oh non. Ah bah, le blé, on est pas prêt de le faire encore. Hop, hop, tac. Allez, poutre d'acier. Oh. Oui. Vous l'avez? De quoi? J'ai pas eu le temps de les prendre. Ah bon? Voilà, tout ce qui va être à base de poutre d'acier, on va pouvoir y faire maintenant. Tube d'acier, tube d'acier... Steel crew, il faut quoi? Ah putain, par contre, ouais, c'est les... Ouais, allez. Alors, vraiment, il va falloir qu'on fasse par la suite des... Ouais. Oui, ça, on va bien se compliquer la tâche, là. Mon de Dieu. Par contre, après, l'avantage, c'est que derrière, on pourra aller se faire les... les petits trucs qu'on n'avait pas spécialement besoin. Du palien, par exemple. Les trucs de déco du palien. Ouais, c'est limite si le tapis il est assez rapide. Ah si, il est... Donc
pas beaucoup, mais il en manque encore un peu. Par contre, c'est quand on va faire le jalon du... Là, ça va commencer à se creuser la tête, là. Okay. Pour l'ascenseur orbital. Oh, pas moi qui m'en occupe, hein. Non, c'est David. Ah, non, ah, non, non. Ah, si. Non, si. Bah, ça va être... depuis le début, hein. T'avais qu'à être là quand on a mis l'ascenseur orbital, parce qu'on a dit, et d'ailleurs, c'est dans la vidéo, hein, que c'était David qui s'occupait de l'ascenseur orbital. Ah, non, je m'occupe de rien du tout. Ouais, si. Déjà qu'il faut que je gère moi pour pouvoir booster les machines. Ah, ça en manque 13. Même pas, il en manque 4. Ouais, après on va pouvoir débloquer les petits jalons à la con. Hop. Pan. Et ben voilà. Ah bah voilà. Donc là je sais pas ce que ça nous a débloqué. Des panneaux solaires. Ah, ça c'est bon ça. Éolienne MK2, et puis bah mon truc... Et puis les onduleurs. Et les gros pylônes électriques. Ouais. Et puis c'est tout? Non, il m'en manque juste ça. Pour? Et puis le charbon, puis on est bon. Pour? Quel jalon? Je fais. Oh non, pour le. Pour changer. Pour mettre le truc au charbon. Attends. Oh, on l'a pas encore. Bah non. J'ai vu. Non, elle a pas débloqué encore le coal power. Ah, je me disais aussi. Mais le coal power, il faut faire les stators avant. Ah oui, ces trucs-là. Puis les stators, je sais plus où c'était. Dans le palier 3. Tuyau acier, fil électrique. Ouais, non, c'est pas dans le bon sens. Je repars dans l'autre sens. De toute façon, bah ça, jalon d'après, on va faire celui-là. On va faire tous les petits jalons là vite fait. Dans... Allez, hop. Ouais, bah on va bien se casser la tête quand on va commencer à faire les usines. Hein. Oui. Mais je pense déjà, première chose, c'est qu'il faudra qu'on fasse un lieu de stockage pour les ressources primaires, on va dire. Ah, il y a encore 3 minutes. Je suis pas encore crafté. Ouais, il faudra qu'on fasse tous les trucs pour les ressources primaires. C'est-à-dire que tout ce qui est forêt, ça vient dans un stockage. Et après, derrière, en fait, on dispatche ce qu'il faut ou là où il faut. Ouais, c'est... Ouais, ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... En gros, une foreuse, elle sort telle ressource. La ressource, elle vient dans le... Dans le stockage... Le stockage de ressources. Ah ! Oh, ça bordel ! Ça consomme beaucoup, là, en charbon ou quoi ? Non, pas tant que ça. Ok, d'accord. J'ai pas fini de pleurer. Parce que... Ah bah va falloir que je fasse plein de modules qui s'empilent pour faire les limaces. J'ai pas fini de pleurer. Pourquoi j'ai pris les limaces, moi? Bah les limaces, c'est plus l'ascenseur orbital. Non, non, je fais que les limaces, là, pour le moment. L'ascenseur orbital, il va attendre. Bon. Je vais faire les petits jalons vite fait à la con là avec les poutres en acier, comme ça c'est fait, on en parle plus. Oula! On branche plus rien hein, parce qu'après on produit plus assez. Hein.
Ah, c'est possible, ouais. On doit être limite, limite, ouais. Bah, faudra peut-être en On est mettre une en troisième. max conso, on est en 440 et en produit max 450. Bon, Non, après, donc ouais. on peut se claquer une éolienne. Ouais. On peut se claquer une grosse éolienne au pire. Ah, parce qu'on n'a pas. Il y a un truc qu'on n'a pas encore débloqué. De quoi? Les. Brass pipes, on les a pas débloqués. Tac. Voilà. Du copper bus bar. Est-ce Je qu'on fait du vois copper? Est-ce qu'on fait du copper bus bar par pas. hasard? Oui. Bon, ça a pas changé grand-chose de mettre l'éolienne. Ah bon, à ce point-là. Où est-ce qu'on fait ça par hasard? Les Ah copper bus bar, tout au bout au fond là-bas, oui, c'est au bout une de la porte chaîne, à gauche. Hein. au bout de la chaîne. Là où t'as pris Ça les dépend. vis et les trucs comme ça. D'accord, ok, merci. Normalement, il doit y en avoir production là-bas. On va gagner 100 ma au maximum 100 mégawatts avec l'éolienne. Ouais, bah c'est déjà pas mal. C'est un quart de ce qu'on produit, hein. Ouais. Mais Toi, tu bon, au les moins produis. ça, voilà, ça permet de pallier au cas où. De toute façon, c'est pareil, hein. La centrale électrique, elle sera refaite pas à zéro, mais presque. À un moment donné. Parce qu'il va falloir l'agrandir. Ouais, c'est limite, une fois qu'on a le charbon, je vais peut-être commencer à rajouter un peu plus. Hein. Vu ce qu'on va comment on avance là. Ouais. Bah, de toute façon, après, ça va dépendre le bâtiment. Si je fais dans l'idée que j'ai, parce que au final, c'est vrai que j'avais une idée là que je voulais faire une espèce de tour avec des plateformes, mais j'arrive pas à faire le rendu. J'ai montré à Alexis, mais j'arrive pas à faire le rendu. Je trouve trop massif. Donc, j'ai trouvé une vidéo d'un Américain qui a fait un bâtiment que je trouve particulièrement joli, particulièrement grand. Donc, je vais essayer de m'en inspirer. Moi, je crains le pire quand j'entends ça. Non, même pas. Ah, pour le Allez, coup, il n'y a même pas besoin d'avoir peur. lui repart. Pouf. Ouais. Il Prochain va, ouais. jalon. Tac. Il tape ici. Non, je regardais s'il n'y avait pas d'autres jalons avec des poutres en acier, mais non. Bon, après, il y a des jalons, on les fera que quand on aura le temps. Ah, bah si, je peux faire celui-là, tiens. Hop là. Ah, il Casse limite, faut des faudrait tuyaux. presque. Oh. Hop là. Presque. Enfin, même pas. Ça me presque, c'est remplacer les trucs de biomasse par le charbon, puis on va faire des usines propres déjà, non? Hop. Avec une fois qu'on a le. Ah, il faut se dé le débloquer, le truc Merde. là qu'on a détruit aussi. Oui, bah le machin, mais il faut les. Il faut je sais plus quoi. Mais là, je vais déjà débloquer les tapis MK2. 2-5, pardon. Ouais. Parce qu'il faut pas grand-chose pour faire les 2-5. C'est poutre en acier et tubes en acier, donc. Et du béton. Donc, le béton, on a ce qu'il faut. Hop. Ouais, faut qu'on se débloque les moteurs pour faire. Oui. Ah bah ça peut s'enlever ça. Tac, ça peut s'enlever. Hop. Et le betoun, le betoun, le betoun. Hop là, toujours en avoir sur soi du betoun. Tac. Non mais de toute façon on fera les trucs propres à un moment donné. Je pose provisoirement un truc, hein. Oui, Comme non, tu mais vois. fais pause. De toute façon, on est là pour tester, hein. C'est quoi ça? Ouh, il faut rentrer quoi dedans? Justement, c'est ce que je suis en train de me demander, ce qu'il faut rentrer dedans. Stockage de liquide. Bah, tu dois certainement rentrer liquide, mais quoi? Hop.
Ah, attends, on a dit pas celui-là, du coup. On va faire le MK25. Hop là, choisir jalon. Ah ben. Hop. 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 Tac. Voilà, comme ça on a des tapis en 2-5. Tu vois? Hein? Ouk. Ah mais c'est ça que j'ai trouvé, ce qu'avait les moteurs du coup. Ok. Là pour les moteurs il faut tout ça. Ah il faut tout ça? Ouais. Bon bah on fabrique pas de sable par hasard. Allez, hein, de quoi? On fabrique comme pas quoi? Sable. Sable? Non. Non. J'ai un cube bizarre là, hein. J'en ai un. Hop. Par contre, c'est le fil bleu, je sais plus ce que c'est celui-là. Ah, c'est du Time Wire, ouais. Ouais, bah ça, on peut le faire, ça. Et rotor et stator, on peut les faire, ceux-là? Oui. Ah oui. Stator, oui, mais rotor... Moi, je l'ai pas, moi, dans mes... Dans mes crafts. Redescendre, il est en dessous du cadre modulaire. D'accord. Il faut des copper bus bar et des lead sheet. Sur là, je fais pour l'instant, je fais les poutres en acier, comme ça, c'est fait. Lead sheet, je peux en faire quelques-uns. Enfin, les lead frames, pardon. Les tin wire, je peux en faire quelques-uns aussi. Mais toutes les usines qu'il va falloir qu'on fasse. Ça va être juste énorme. Mais c'est pour ça là, faudra qu'on voit après par la suite. Parce qu'on a... j'ai mis un mode pour faire comment? Les usines en x10, x100. Alors ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est tout ce que j'ai. Ouais, je te donnais toute ma richesse. C'est ça en moi à faire. Je te donnais toute ma richesse. C'est ça en moi à faire déjà, de toute façon. Ah. Donc ouais, après on verra quand on pourra débloquer les x10, les factories en x10. Parce que ça, l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de faire un truc énorme. Hop, normalement, ça. Hop là. Alors normalement, crochetin, faut le faire avec les machins. Le teint rose. Je suis même en train de me demander si avant de débloquer ça, on n'aurait pas dû débloquer les trucs en x2. Je sais pas si on les a, il me semble. MK2. Les constructeurs en MK2. Parce que l'avantage c'est qu'on aura pu même en poser un manuellement. Ouais, non, on s'en fout. Un disque dur. C'est un disque dur? Ouais. Y a rien d'intéressant, putain, sérieux quoi. J'ai rien d'intéressant.
Il n'y a pas de recette de vis ou de machin. Ah bah si, on l'a déjà, je crois, la recette de vis en plus. On l'a déjà fait. Hop. Ah, c'est mon établi, ça. Non, c'est le mien. Bon, ça, ça va être bon. Si là, hop là, on va par là, toi. Pouf pouf pouf, y en a un ouf là. Hop, on va faire un stockage là. Alors, faut aller tapis en 2-5, ça te consomme quoi? Ça te consomme quoi? Bah, ça te consomme rien. C'est où que ça te dit que ça consomme? Pour faire des tapis en 2-5. Les plaques de fer renforcées. Je l'ai pas, moi, le logo. Moi, c'est pas grave. Hop, de l'électrique. Ah putain, mais l'électrique, on est blindé là. Tac, allez. Déjà, là, ça produira des tinrodes. Sans lui. Comme ça déjà pour les fils d'étain. On... Ça en produira déjà un petit peu. Ouais, et ben on va avoir un sacré stockage à faire. Hein. Parce que quand je vois toutes les ressources qui ont été ajoutées, du coup... Alors ouais, qu'est-ce que ça me dit, ça? Je pense que ça rentre ou ça rentre pas. Hop, allez, ça, ça... Bah non, ton truc, là, je vois pas ce que ça rentre... Ah, mais je vais voir une fois que je vais l'alimenter électriquement. Ah, aussi, ouais. Ouais, ça te dira peut-être que ça... Ouais. Et c'est quoi ah, ça? Ah, mais qui... missing egg, c'est-à-dire qu'il te faut des œufs avec je sais pas quoi, déjà. Mais ça produit pas super vite, ça. Ça produit pas super vite. À mon avis, il va te falloir de l'eau ou une connerie comme ça. Hein. Certainement, ouais. Certainement. On va voir. Bon, de toute façon, nous les amis, 1h10 de vidéo. Non, déjà. Mais non. Si, 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 déjà. On va s'arrêter là, on se retrouve bientôt bah, pour l'épisode 10, du coup. Mais on a encore beaucoup de boulot à faire. Comme vous voyez, c'est vraiment casse-tête. Moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. C'était la LFD pour Satisfactory et l'épisode 8, déjà. Ça fait déjà 8 semaines. 8 semaines qu'on tourne. Allez, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ciao. Au revoir. Bye bye.